nous allons commencer la séance par une prière. Après la prière, il y aura l'hymne national. Après l'hymne national, nous allons remettre aux lauréats leur certificat de fin d'études maternelles. Et ils vont aller, nous allons commencer par Reims, le défilé, jusque vers Petrobac, on revient, et quand on va rentrer à l'école, nous commençons enfin les activités. Mais tout de suite là, nous vous demandons de patienter un peu parce que nous attendons le roulage que nous avons demandé pour nous aider à la sécurité, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que nous ne pouvons pas aussi bloquer la route. Donc il faudrait que le roulage puisse nous aider pour la sécurité de nos enfants et de nous-mêmes. Donc voilà momentanément le programme que nous allons suivre. Donc je reprends. Gracias.
Les amis, levez-vous pour la prière. Soyez le maire. Fermez les yeux. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour ton amour envers nous. Merci pour la vie gratuite que tu donnes à chacun de nous ici rassemblés. Merci pour le bon cadeau que tu nous offres, celui des enfants parmi nous. Oui Père, ton amour est infini envers nous. Nous te disons encore merci pour cette année qui vient de rouler dans la bonne et due forme sous ta sainte protection. Merci parce que tu as été à nos côtés. Merci parce que tu viens de cheminer avec nous. Et aujourd'hui, nous clôturons par ces activités. En cela, nous demandons ta présence parmi nous, pour que ces activités prennent source et achèvement en toi. Nous t'offrons tout ce que nous allons faire pour aujourd'hui, pour l'honneur de ces enfants, pour l'honneur de ton nom et la bonne marche de notre pays, de notre Église et de notre école. Marie notre Mère, toi qui intercèdes pour nous jour après jour auprès de ton Fils, nous sollicitons ton intercession vers lui pour qu'il soit permanent parmi nous. Nous t'avons ainsi prié. Toi qui es Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Alors, sans plus tarder,
Alors, chers amis, celui qui il ne va plus fêter avec nous. Ça va? On va vous donner ça. Gardez cela, que ça soit propre. Mais laissons d'abord les enfants soient visibles. Pour les photos, si tu vois que tu empêches l'ami, qu'on ne te le dise pas, prenez vos dispositions pour la photo. Merci beaucoup. Nous avons dit que nous allons commencer par Reims. Les enfants, chers dames, vous allez mettre les enfants en rang. Thank you.
Thank you.
Bonjour. Merci d'avoir chanté pour les parents. Les amis sages, les amis sages, les amis intelligents, les amis intelligents, les amis courageux. Merci beaucoup. Et vous? Merci, ma chère. Alors, je vais t'adresser à tout le monde, mais particulièrement aux parents. Prière de prêter l'attention parce que ce sont des choses très importantes. Ce n'est pas pour rien que ces points sont dans l'ordre du jour. Révérende sœur en péché, chers membres du comité des parents, chers parents, chers enseignants, chers amis, lauréats et lauréates, distingués invités, bonjour. Pour commencer ces mots, je viens de saluer votre présence nombreuse et souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture de l'année scolaire 2023-2024. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation. Cela témoigne la collaboration qui existe entre vous, nos partenaires, et nous, l'école. Pour cette grâce, nous remercions le bon Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour sa présence et son assistance durant toute l'année scolaire qui prend fin aujourd'hui. Que son nom soit infiniment loué. Nous pouvons applaudir pour notre Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Merci, merci. Amen, hein? Amen. En effet, passer toute une année scolaire n'est pas chose facile à cause des contraintes liées aux impératifs du moment. Ce qui revient à dire que tout n'a pas été rose, chers parents, durant toute cette année. Bien des moments difficiles et choquants ont été également enregistrés au sein de l'école. On peut citer les cas de fractures des enfants, le manque de collaboration et de confiance de certains parents envers l'école. Ici, je m'explique un peu. La collaboration peut être là, mais on peut manquer la confiance. J'espère que nous sommes toujours au courant de tout ce qui se passe à l'école. Nous avons rencontré, nous venons de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, certaines situations qui nous ont découragés, qui nous ont frustrés. Tout ça dit au manque de collaboration et de confiance. Puisque s'il y a une confiance, si vous nous faites confiance, chers parents, sinon, toutes les petites situations rencontrées ne peuvent pas exagérer. Question de trouver intérêt d'attente. L'insolvabilité des frais scolaires par certains parents. Des enfants qui abandonnent au cours de l'année à cause des frais. Tout ça dit au manque de collaboration et de confiance. Faible présence des parents aux activités parascolaires. Vous en êtes témoin. Vu l'effectif que nous avons à maternelle, sinon toute cette cour est remplie des parents. Merci vous qui êtes là. Et prière de faire parvenir ces messages aux parents qui sont absents. Ça signifie beaucoup. Quand vous êtes là, à moindre activité, ça signifie beaucoup, chers parents. Vous ne perdez pas le temps de venir assister aux activités.
vos enfants. Des fournitures pour les travaux des enfants non donnés. Il y a des parents qui n'ont donné aucune fourniture scolaire pour ces enfants. Aujourd'hui, nous réjouissons ensemble. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Êtes-vous à la hauteur de vos responsabilités, de tout ce qui a été demandé à l'école? Voilà ce qui a alourdi le déroulement de cette année. Chers parents, malgré ce tableau sombre, nous devons quand même reconnaître la grandeur de Dieu en nous. Car, en dépit de tout cela, nous sommes sortis vainqueurs. Et nous avons connu beaucoup de progrès remarquables. Premièrement sur le plan pédagogique. Sur le plan pédagogique, sur la construction, j'espère que vous êtes curieux. Derrière là, soyons un peu curieux, vous allez jeter un coup d'œil sur la construction. Malgré tout ce que nous venons rencontrer cette année, Dieu fait grâce, les travaux continuent. Les enfants vous retournent à la maison pour un repos mérité. C'est-à-dire, ces enfants méritent un repos parce qu'à leur âge, passer toute une année à l'école, ce n'est pas chose facile. Alors, ils méritent un repos. Et je suis sûre que vous les considérez aussi comme enfants. Ils ne viennent pas en repos pour commencer à leur confier du travail. Bien sûr que ils sont là pour vous aider, mais ce n'est pas encore le temps. Ils méritent un repos. Nous vous demandons, chers parents, de continuer à les encadrer et à veiller sur eux avec une attention soutenue. Arroser ce que nous venons de semer cette année en eux afin qu'ils croissent bien. Pour finir, nous vous remercions tous pour la marque de confiance que vous ne cessez de nous faire en nous confiant ces beaux cadeaux que nous voyons, les enfants, pour leur formation. Et disons ensemble, prononçons une formule de vœux que cela continue jusqu'à l'avenir. Chers enfants, chers parents, chers amis et connaissances, nous vous souhaitons une bonne réjouissance et heureuse fête de fin d'année scolaire 2023-2024. Je vous remercie. Applaudissez les amis, applaudissez. Nous remercions au départ. Soyez attentifs. Au départ, nous remercions le Seigneur. Amen. Qui nous a protégés pendant toute l'année. On n'a pas connu aucun incident majeur. Ce sont des petits enfants qui viennent à l'école avec encadrement. Il y a des motos, des voitures. Mais Dieu nous a épargnés. C'est pourquoi nous disons merci. On peut être prêt pour ce Dieu-là qui a protégé nos enfants. Acclamez fort. Comité directeur. Donc, je suis ici, la sœur directrice et les DIA qui ont encadré nos enfants toute l'année. Amen. On peut les applaudir, non? Applaudissons la sœur, applaudissons. Nos remerciements vont ensuite au corps enseignant. Les maîtresses, les maîtres, surtout, chers parents, surtout à l'école maternelle, ces petits enfants, mais il y a des problèmes. Il y a des parents
il y a des parents qui envoient les enfants à l'école juste pour supprimer les embêtements à la maison. Mais ces pauvres maîtresses sont là pour encadrer nos enfants. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Je sais qu'aucun parent ne va quitter sans dire merci à la maîtresse, n'est-ce pas? À la maîtresse qui a encadré son enfant pendant toute une année. Mais juste un merci, un bon merci, un merci, je pense que vous comprenez. Les sacrifices qu'ils font avec de maigres salaires, chers parents, il faut être reconnaissant. Et vous aussi les parents en bonne santé. Je dis et je parlais. Bonne fête, bonnes vacances. Et je vous remercie. Ah, c'est tout la conversation en nombre 1.
On est ensemble, on est ensemble. C'est vrai, on est ensemble. Ensemble, on est ensemble. Ok, merci pour l'obéissance. D'accord. Bonjour mon ami, bonjour. As-tu des enfants là?
fait pour le nôtre. Merci, mon ami. Merci. Je m'appelle Boyer Levayamou. Je suis allé chez ma père. À la place de moi, chez madame, je vous remercie. Je m'appelle Omo Mamoto. Je suis allé chez ma mère, chez madame, je vous remercie. On a pleuré, c'est que nous sommes parents, on a pleuré. Bonjour madame la tortue. Bonjour. Qu'est-ce que tu portes
plaisir. Tout bâtissant le Congo, en quittant le Congo.
Oh,
Eniola Elisabeth 89. Oui. Kapinga Seka. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Katoko Kabunda 86. Il n'y a pas de cadeau. Kiningoma 94. Le cadeau à la maison. Qui a bien? Et la peso 90. Qui a bien? Il n'y a pas de cadeau. 95. Qui a bien? Pas de cadeau. Qui a bien? Pourquoi? Kidoka 88. Qui a dit les orphelins pas de cadeaux? Laoui 89. Eh, qui a dit quel cadeau? Makinu Kabunda 91. Eh, qui a dit quel cadeau? Qui a dit? Kosi 89. Qui a dit? Eh, qui a dit? Bezolo 92. Eh, qui a dit? Bangi Bangi 92. Pas de cadeaux. Naka Luvamu. Les parents en voyage. Les parents en voyage, qui a dit? Ça me fait faire, qui a dit? C'est la fête. C'est la fête. Même la toile, il faut donner. C'est la fête. Qui a dit? Qui a dit? Pas de cadeau. Et qui a dit? Simba Mushikanda 88. Et qui a dit? Orphelin. Pas de cadeau. Et qui a dit? Voilà. Les parents venez pour vos enfants. Si vous voulez dormir ici, venez ramasser vos enfants. Et qui a dit? Les parents, prenez vos enfants s'il vous plaît. Vous voulez voir tous les parents. Ok. Les parents de cette cliente. Et qui a dit? En voyage, pas de cadeau. Et qui a dit? Pas de cadeau. Et qui a dit? Pas de cadeau. Les parents. Qui a dit? Attention. Les parents. Et qui a dit? Et pitié. Maman, prenez l'enfant. Allez la fin, oh, hey, qui a dit, pas de cadeau. C'est des orphelins, qui a dit, pas de cadeau. Hey, oui. Discothèque, système. Mes parents, récupérez les enfants. Restez ici, si vous n'avez pas de parole, restez ici. Si vous n'avez pas de parole,
pas ta mère. Ton corps reste aussi. Non, ton corps reste aussi. Nous voulons le parler. Ah non, ne le parle pas. Ne le parle pas. Il reste aussi. C'est bien. Ok, le parle. Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, day, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez,
partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.